RFI et France 24 présentent. Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous ou bonsoir et merci de nous suivre dans ce Café des Sports en cette fin de semaine. Vous allez le voir, il y a du monde en studio, il y a beaucoup d'actualités. Alors, je vais vite vous présenter les invités d'aujourd'hui. Bonjour, Prémy Nguono. Ah, bonjour, Annie. J'aime bien commencer par vous, parce que les débats sont tout de suite lancés. Oui, surtout parce que vous savez très bien qu'à cause de moi, beaucoup de gens vont au cimetière et quand ils reviennent, ils disent qu'ils sont partis donner leur sœur en mariage. Je pense à Xavier Barré qui nous rappelle que sa femme, que sa sœur qui est mariée depuis 36 ans, vient de se remarier. C'est pour ça qu'il n'était pas là. Seulement 20 ans. Décidément. Bonjour Xavier. Bonjour Annie, salut à C'est tous. C'est vrai qu'il nous a manqué pendant une semaine. Et un grand merci à tous les internautes qui, sur la page Facebook, ont mis des messages pour se réjouir de mon retour. Et je suis très touché par tous ces messages. Merci à eux. Bon, lui, c'est devenu un habitué du Café des Sports. Bonjour Benjamin Moukandjo. Bonjour Annie, et surtout être au milieu des deux, c'est pas évident. Ah oui Rémi, cette semaine, il y a le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire qui est passé au bureau. Il espérait vous voir. Bon, je lui ai dit que vous n'étiez là que le vendredi, il n'est pas venu le vendredi. Mais voilà, il m'a dit de vous saluer de sa part. On me demande toujours comment va Rémi. Merci, c'est gentil de sa part. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Et tout le monde on est content de retrouver Xavier. On a l'impression qu'il est parti 6 mois, mais il a loupé qu'une émission. Hein. Exactement. Mais pas n'importe laquelle. Voilà. C'est ça le problème. Exactement. Mais il a fait acte de présence indirecte. Hein. Maintenant, on n'a plus besoin toujours d'être là en présentiel. Et puis alors, l'homme aux yeux bleu de l'autre, homme aux yeux bleus, et oui. Lui, il suit les bleus en plus, alors ça complète bien, et en plus, il a 2 étoiles sur le maillot. Bonjour Antoine Grenier. Bonjour Annie, bonjour à tous. J'ai failli mettre une veste bleue, puis j'ai changé d'avis. Il y a une chemise bleue déjà, hein. Il y a un petit air de bleu avec vous, notre double star, comme on vous surnomme, comme David Finzel vous surnomme dans la rédaction. Alors, dans les débats du jour, il y a 25 noms et la surprise du chef. En révélant la liste des joueurs sélectionnés en équipe de France pour l'Euro, Didier Deschamps a ménagé son effet surprise en annonçant le retour du milieu de terrain N'Golo Kanté, qui a volé la vedette au jeune Bradley Barcola, convoqué lui pour la première fois chez les grands. Une équipe digne ou pas de figurer parmi les favoris d'Allemagne. Et une Coppa Italia pour la Juve, la Juventus, après 3 années sans rien gagner du tout. Les Bianconeri sont-ils de retour? En tout cas, ils finiront leur saison sans Massimiliano Allegri, licencié il y a quelques instants après un coup de colère qui a fait parler dans la botte italienne. Officiellement, c'est en raison d'un comportement non compatible avec les valeurs du club. Une dernière journée en Première Ligue sans grand suspense, mais un happy end attend les Citizens, le grand favori pour le 4e titre consécutif de champion d'Angleterre. Les Gunners sont-ils vraiment hors course? Il y aura évidemment les cartons, les vôtres et les nôtres. Au générique de cette émission, Sarah Loubacouche m'a aidé à préparer l'émission avec Diego Tenorio. Yann Bourdelat et Adrien Toureau sont à la réalisation vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Milieu de terrain, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, pa la 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 la. N'Golo Kanté, pa la 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 la. Il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi. Il est petit, il est gentil, je crois qu'on connaît tous le refrain, hein. On a eu le temps de l'apprendre toutes ces années. Mais on l'avait un peu oublié quand même, le champion du monde 2018, le magicien du milieu de terrain de l'équipe de France qui était en Russie, joue surtout loin des yeux, apparemment pas loin du cœur de notre sélectionneur national, pas loin du cœur de Didier Deschamps. Il a hier cité son nom, vous l'avez entendu, hein, N'Golo Kanté. NG, paraît-il, le surnomme-t-il aussi, parmi les 25 joueurs de la liste. Il a mis un peu en émoi tous les observateurs parce qu'il y avait eu quelques rumeurs avant, mais on n'osait même pas y croire. Antoine Grenier, alors vous, notre homme des Bleus, notre espion là-bas, du côté de... C'est ni une tanière, ni une tente, ni une grotte, mais en tout cas chez les Bleus. Est-ce que vous aviez anticipé cela? Est-ce que vous aviez cru sur tous les rumeurs?
On savait qu'il y aurait des surprises, on savait que Didier Deschamps, hein. Oui, parce que il y a quand même eu d'autres retours. On parle de Bradley Barcola qui arrive, mais l'autre retour c'était Ferland Mendy. Celui-là, on s'y attendait un petit peu. Oui. Mais c'est clair qu'au moment où Didier Deschamps annonce N'Golo Kanté, on s'est tous un petit peu regardé. Même moi, j'ai eu un petit réflexe de surprise parce que s'il y a quelqu'un, non, quand même pas à ce point-là. Non, je le connais bien, mine de rien, mais c'était vraiment le nom qui est apparu à la toute dernière seconde, presque comme un magicien sort un lapin du chapeau. Là, le lapin, c'était N'Golo Kanté. D'ailleurs, il court partout, donc d'une certaine manière, il y a une logique. Mais oui, le secret avait été bien gardé. Didier Deschamps a dit que c'était préparé de longue date, qu'il était resté en contact avec N'Golo Kanté, même depuis qu'il est en Arabie Saoudite. Mais c'est vrai que la surprise a été énorme, parce que voir Didier Deschamps convoquer un joueur qui a disparu depuis deux ans voilà. Sa dernière sélection avec l'équipe de France, c'était le 3 juin 2022, donc c'est une éternité à ce niveau-là. Un joueur qui, de plus, n'évolue pas en Europe, ça aussi, c'est extrêmement rare de voir qui a 33 ans, dont le niveau réel est un petit peu un point d'interrogation. Bref, la surprise a été énorme. Après, on ne va pas se mentir. Moi, je suis très, très content de revoir N'Golo Kanté dans cette équipe parce qu'il a manqué pendant la Coupe du Monde 2022. On est content, mais ce qu'on se dit, c'est depuis à quand remonte sa dernière saison au très haut niveau ? C'est peut-être ça le plus inquiétant, parce que la dernière saison où il est à Chelsea, donc 2022-2023, il joue 9 matchs dans la saison. Il est souvent blessé. Et finalement, on se dit, la dernière saison, c'était donc 2021-2022. Ça date aussi. Oui, bien sûr. Et il avait quitté l'équipe de France à un moment où, sur une série qui n'était pas forcément terrible, avec des défaites en Ligue des Nations. C'est vrai que c'est un énorme point d'interrogation que ce retour et ce choix de Didier Deschamps de rappeler N'Golo Kanté est un vrai pari, très clairement. Même si, a priori, il n'avait pas énormément de choix, Didier Deschamps, parce que avec un Aurélien Tchouaméni blessé, avec d'autres milieux de terrain comme Warren Zaïre-Emery ou Youssouf Fofana qui sont encore un petit peu tendres pour le niveau mondial, c'est une solution qui peut paraître un petit peu tirée par les cheveux, mais oui, c'est osé, très clairement. Et Didier Deschamps ne vous a pas forcément habitué à ce genre de pari. Mais s'il appelle N'Golo Kanté, c'est que a priori, il a des garanties sur le niveau du joueur, son niveau athlétique. Et puis, surtout, il sait que N'Golo Kanté connaît l'équipe de France par cœur et n'aura pas besoin de temps pour s'adapter. Il a 3 poumons. Hein, c'est un auditeur. Henri-Joël Bonguin nous dit l'homme aux 3 poumons, N'Golo Kanté, ça les inspire. Il y a pas mal de réactions. On nous rappelle aussi, c'est l'8e de finale de la Coupe du Monde 2018, hein, Joseph Chibempa qui nous rappelle qu'il avait arrêté un certain Léo Messi. Mm-hmm. C'est ce que chantent d'ailleurs les supporters. C'est le chant qu'on a entendu tout à l'heure. Il a stoppé Léo Messi, donc ils sont à peu près dieux. C'est les grandes heures, c'est la Coupe du Monde. N'Golo Kanté, c'est la Coupe du Monde 2018. On pense à lui directement et à cette performance sur tout un mois où il avait été stratosphérique. Ouais. Sauf en finale où il était malade. Et où il était sorti effectivement assez rapidement. En première mi-temps, mais N'Golo Kanté, il a apporté tellement de choses à cette équipe de France que tous les amateurs de ces Bleus rêvent maintenant de le voir réapporter quelque chose. Mais il y avait une surprise déjà quand il avait été convoqué. On se souvient, quand il apparaît en équipe de France, on se disait d'où vient-il et comment il était à Leicester, hein, si je ne me trompe pas, à l'époque. Et on se disait, mais comment Deschamps l'a-t-il repéré Benjamin Moukandjo, quand on n'a pas joué comme ça 2 ans au haut niveau, en même temps, là, il a joué plus de 40 matchs dans le golfe persique. Est-ce que, même de la part d'un joueur, on peut être un peu inquiet de se dire, je ne serai pas au niveau. Alors, on ne sait pas s'il sera titulaire encore, on va en parler. Mais après, honnêtement, je pense que Kanté, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, qui sait se gérer, parce que même s'il a traversé des moments de blessures, il on dit qu'il était parti jouer, pour se reposer. Je pense que c'est des peu, joueurs qui ont beaucoup travaillé. Quand on voit quand même les saisons qu'il fait avant ses multiples blessures, pour moi, il était en surcharge, parce qu'il avait tellement donné, que ce soit à Chelsea, que ce soit en équipe de France, c'était le joueur qui jouait quasiment tous les matchs. À un moment donné dans la saison ou à un moment donné dans l'année, vous le payez parce que le corps, il ne se repose pas comme il faut. Les vacances sont courtes parce qu'il y a les sélections. Et pour moi, je crois que Deschamps, pour moi, ce n'est pas un risque parce que Kanté reste toujours un joueur frais. Même si on parle du fait qu'il joue aujourd'hui en Arabie Saoudite, moi, je prends toujours, pour exemple, on a vu la CAN en janvier dernier. On a vu des joueurs qui jouaient dans ce championnat-là. Je pense notamment à Sekou Fofana, qui vient du même championnat. Tout le monde s'interrogeait
que est-ce qu'il va avoir le niveau qu'il avait quand il était à Lens. Et pour vous, on a eu les réponses. Eh bien oui, la réponse a été sur le terrain parce que c'était Fofana. Pendant toute la compétition, il a été bon. Il a gardé son même rythme de course. Ces mêmes accélérations qu'il avait à Lens, on l'a retrouvé pendant la CAN. Même si le temps, la durée... C'est que Fofana était parti alors qu'il était très bon. Il n'y avait pas eu de creux. Oui, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que Annie disait tout à l'heure qu'il a quand même fait une quarantaine de matchs. Oui. Je crois que Deschamps a quand même eu le temps de le regarder pendant toute cette période-là, de voir effectivement s'il avait encore ce rythme. Parce que surtout quand on est milieu de terrain, il faut avoir le rythme. Ça demande énormément de courses, de couper les trajectoires de ballon, de couper les trajectoires de passe, les replis défensifs, les actions offensives, d'apporter. Mais je crois que s'il le prend Deschamps, non seulement il n'a pas le choix parce qu'on sait que le milieu est dessiné par peut-être Tchouaméni qui peut ne pas être là, mais l'expérience de Kanté qu'il a aujourd'hui, au même titre que Giroud devant, ben pour moi, peut faire la différence. Xavier, est-ce que ça veut dire qu'il sera titulaire selon vous? Si on le rappelle, il fait partie des 8 champions du monde de cette liste, huit champions du monde de 2018. Je pense que le premier atout qui a fait le rappel de N'Djé Kanté, c'est son état d'esprit. Et ça, Didier Deschamps... n'a jamais pensé qu'il le rappelle pour son état d'esprit. D'abord son état d'esprit. Il ne faut pas oublier que la groupe, c'est 26. Il l'a dit lors de la conférence de presse du mois de mars. Il a dit, il en a pris que 25. Mais parce qu'il sait que c'est compliqué de gérer ceux qui vont se retrouver remplaçants avec peu de perspectives de temps de jeu. Donc là, il y a l'incertitude Tchouaméni. Est-ce que Tchouaméni sera là ou pas? Je pense qu'il y a de grosses réserves sur la capacité de Tchouaméni. Donc, il aurait pu prendre un jeune ou un Guendouzi qui a une forte personnalité, il a préféré assurer avec un garçon à l'état d'esprit exemplaire, N'Djé Kanté, qui soit sur le terrain ou qui soit sur le banc, il ne fera pas d'histoire parce que c'est un joueur qui a jusqu'à présent eu une carrière modèle au niveau d'esprit, état d'esprit. Voilà. Et je pense que pour Didier Deschamps, cet état d'esprit, c'est quelque chose d'essentiel. Après, la compétitivité de N'Golo Kanté, bon, on en a discuté, il a joué beaucoup de matchs dans le championnat saoudien, qui est quand même un championnat de deuxième niveau. Mais voilà, il est donc en bonne condition athlétique et il a toujours un état d'esprit exemplaire. C'est déjà deux atouts importants. Rémi? Oui, la seule chose qui me surprend, c'est qu'il n'ait pas fait appel à Varane ou Umtiti, puisque nous sommes là pour les anciens des temps nouveaux, c'est-à-dire que ceux qui ont gagné la Coupe du Monde en 2018. Donc, s'il faut rappeler ça, je dis que c'est un peu risquant, Varane s'est retiré de l'équipe de France, il n'est plus international. C'est une façon de parler quand je parle de Umtiti et consorts, parce que lui également, il s'est beaucoup blessé, et que N'Golo Kanté également. Voilà, on est parti quand même de quelqu'un qui avait 4 poumons. Maintenant, on me parle de 3 poumons. Je crois qu'il reste 2 poumons, voire un poumon et demi. Encore que Didier Deschamps est le seul qui a pu voir tous ses matchs, parce qu'il l'a quand même affirmé, je ne sais pas sur quelle chaîne. Ou bien là, si, il s'est diffusé en France. Ça n'a pas trop de succès, paraît-il. Tous les matchs de N'Golo Kanté, il a pu les voir. Mais bon, une chose est sûre, c'est que... Il joue avec Karim Benzema. Il joue à pourquoi ne pas faire appel à... Ils ont 30 points de retard. Ils sont 5e et 30 points de retard sur le premier. Voilà, pourquoi ne pas faire appel aussi à Karim Benzema? Vous ne répondez pas à ma question, alors je vais vous en poser une autre sinon. Oui, je vais vous dire tout simplement que ce qui faisait la force de N'Golo Kanté, c'est d'abord, comme vous avez pu le dire, le plan physique, le plan athlétique, les courses... multiplié. Aujourd'hui, je sais quand même qu'il a 33 ans et quand on me parle de quelqu'un qui pourrait être titulaire, je n'en crois pas. Parce que même Roger Milla, même quand on l'a pris, ou certains joueurs, ils sont comme des substituts. Mais le voir N'Golo Kanté aujourd'hui comme titulaire en équipe de France, il ne peut plus avoir les 4 poumons. Il peut peut-être apporter souvent dans les dernières minutes, comme Luka Modric au niveau du Real Madrid, il peut apporter une certaine touche d'expérience pour stabiliser le match. Frédéric? Gladiana Anibé qui nous dit qu'en 1994, Leonardo jouait au Japon. On l'avait appelé, il a été sélectionné, il est devenu champion du monde. Mm-hmm. C'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Enfin, ouais. Surtout qu'il n'y a pas que le fait de courir sur un terrain. Quand on a moins de gens, non, mais c'est vrai. Il y a un Argentin très connu qui marche beaucoup. Il parlait de Modric. Aujourd'hui, Modric, les gens qu'il avait il y a 5 ans, il les a plus. Mais on développe autre chose. L'intelligence de jeu, l'intelligence de placement. Ça vous évite de faire des courses que vous faisiez quand vous avez 18 ans, par exemple. Donc, N'Golo Kanté, il a pris en expérience. Moi, je pense que pour moi, ça reste, une fois de plus,
C'est, le débat, il n'est même pas là parce qu'on est en train de s'avancer sur quelque chose. Attendons, non, on est en train de autour juger. Autour de la surprise. Oui. Non, non, mais c'est, pour moi, c'est une demi-surprise. Pour moi, c'est une demi-surprise. Ah, bon. Oui. Bon. Faut pas oublier que Deschamps, c'était son poste. Hein. Ouais, Didier oui. Deschamps a fait une longue carrière à ce poste de milieu défensif, donc il, Antoine, il a les bons repères. Pour la vraie surprise, qui n'en est pas une, mais en tout cas pour lui, c'est une confirmation, c'est évidemment Bradley Barcola. On l'a beaucoup vu du côté du Paris Saint-Germain et on se disait, il a de grandes chances. Je crois que mercredi soir, en plus à Nice, il a tout fait pour dire à Didier Deschamps, si vous avez un doute, n'en ayez pas. Bradley Barcola, c'est le petit bébé, hein, puisque c'est ses initiales, qui arrive chez Léa, 21 ans. Et qui, lui, est prometteur. Oui, c'est un peu l'ascension express, parce qu'il était à l'Olympique Lyonnais en Mbappé, début hein. de saison. Oui, un petit peu à la mode de Mbappé. Il peut, par moments, un petit peu, dans ses débordements, rappeler le Mbappé de 2018. Peut-être que là aussi, mm-hmm. Deschamps a essayé de réveiller quelques souvenirs agréables. Bradley Barcola, lui, on l'a senti dans la liste. La seule petite question, c'était est-ce que Didier Deschamps allait déroger un petit peu à sa règle d'appeler un joueur pour une grande compétition comme l'Euro, qui ouais. se déroulera sur un mois, appeler un joueur qu'il n'avait jamais convoqué. Au lieu de le laisser jouer les JO, par exemple. Bradley, il pourra enchaîner, il pourra pas. Mais Bradley Barcola, il avait était pas loin de l'équipe de France lors du rassemblement de mars. Peut-être aurait d'ailleurs-il fait un petit peu de bien, parce que l'équipe de France avait clairement manqué de jus à ce moment-là. Il arrive, il a réussi à convaincre Didier Deschamps, comme il a réussi à convaincre Luis Enrique, qui sont quand même deux modèles d'exigence en termes d'entraîneur. Donc, ça va être... Après, il arrive dans un rôle de doublure. Il sera vraisemblablement pas titulaire d'emblée, Bradley Barcola. Frédéric, un message encore, c'est Papa Bolindia. Il en est au moins à son 30e message. Alors, je ne pense pas qu'il a le poster de Barcola, mais plutôt celui de Lacazette. Dans sa voiture, dans la chambre, partout. Il ne comprend pas, Antoine, que Lacazette ne soit pas là, alors qu'il fait une superbe fin de saison avec Lyon. Ouais. Et qu'il y a, par exemple, Randal Kolo Muani. Oui, bien sûr. Après, il qui faut pas fait une se super mettre. Saison. C'est très compliqué, mais il faut se mettre aussi dans la tête de Didier Deschamps. Didier Deschamps. Dites-nous. dans sa manière de fonctionner, il fonctionne par groupe, par construction d'un effectif par atome de crochet. Personnalités qui puissent être compatibles. Parce qu'il sait très bien, il a connu ça en tant que joueur, il a connu ça en tant que sélectionneur. Un mois, c'est très très long. Ouais. Donc, il faut avoir des joueurs qui soit capable de vivre en communauté, ensemble, de s'entraîner, de gagner des matchs. Et c'est peut-être aussi, pour en revenir à N'Golo Kanté, pour ça qu'il a préféré rappeler N'Golo Kanté plutôt qu'un Matteo Guendouzi, qui lui aurait peut-être eu plus d'exigences et à l'intérieur du c'est-à-dire groupe aurait peut-être voulu jouer. Et ça aurait pu devenir un petit peu plus compliqué à gérer, alors qu'avec N'Golo Kanté, Deschamps l'a dit, il n'y a jamais de problème. Rémi, alors la question que je vais vous poser à tous, c'est est-ce que cette liste vous convainc? Est-ce que pour vous, cette liste a une tête de futur champion d'Europe? Cette liste peut aller peut-être en quart, voire demi. Ça sera mieux que la dernière fois. Donc. Oui, mieux que la dernière on fois. On s'est mais arrêté en huitième contre, parce que contre quand, la Suisse. Quand vous dites qu'il a une façon de construire, mais je crois qu'il devait aussi se rappeler de son passé. Surtout que là, effectivement, vous avez un Olivier Giroud qui, aujourd'hui, est un peu âgé. Et puis, vous vous privez quand même de Lacazette qui, faut-il le dire, c'est 20 buts avec 4 passes décisives. Et par la suite, vous avez quand même quelqu'un comme... quelqu'un comme Mateta, qui, soit dit en passant, avec Crystal Palace, lors des 12 derniers matchs, c'est 10 oui, buts. Oui, non, mais Rémi, sur ceux qui sont là... C'est qui sont là sélectionneur, c'est mais de sélectionner. Moi, j'ai dit... Pour on ceux, sait que la France a beaucoup de richesses. Pour ceux qui sont, pour ceux qui sont là, bien évidemment, j'ai déjà donné la réponse, mais quand vous regardez les autres équipes, c'est-à-dire, par exemple, l'Angleterre, quand vous regardez même l'Allemagne, ben voilà, c'est un peu au-dessus, quand ouais. vous regardez même peut-être le Portugal, vous vous dites quand même que la France n'est pas vraiment okay. dans les bonnes Rémi, conditions. L'Angleterre a souvent été au-dessus, hein, mais on connaît la fin. Il gagne jamais. Hein. Mais on a vu encore la Coupe du Monde. Oui, mais non. L'Angleterre est dans ce qu'on appelle la progression. C'est-à-dire que vous voyez, c'est une équipe ça fait des années quand même. Voilà, non, mais c'est une équipe qui n'était pas dans le top 8. Ce n'était même pas dans le top 5. Ouais. Aujourd'hui, on voit quand même, lorsque vous regardez cette équipe d'Angleterre, oui, avec un certain nombre de joueurs, sans pour autant oublier que même leur sélectionneur... Non, mais Rémi, on ne va pas faire un débat sur l'Angleterre. Voilà.
Benjamin, comment vous la voyez cette liste de Didier Deschamps elle a le profil de Didier Deschamps, elle comme a le profil souvent. Pour aller. Moi, j'ai envie de dire comme souvent, c'est souvent une liste qui amène des débats, on discute parce qu'on a laissé les uns et les autres. Bah mais oui, le problème forcément, c'est vrai que sélectionner, c'est de choisir, c'est de sélectionner, de prendre ses responsabilités. Et comme souvent aussi, avec Didier Deschamps, avec son équipe, arrive très souvent au bout des compétitions. Voilà, donc pour moi, c'est une liste qui est pour moi équilibrée. Les joueurs qui sont là méritent. On aurait pu sélectionner d'autres, mais on ne peut pas prendre tout le monde, malheureusement. C'est ça le problème. Mais moi, on va faire confiance et puis à la fin, on jugera. Pour moi, c'est très tôt de juger. Denis, avant de montrer peut-être le livre, Khalid Barry, lui, il nous parle d'Olivier Giroud. Si Giroud était une femme, Deschamps l'aurait sûrement épousé. Même à 60 ans, il continuera de le convoquer. Bon, alors, ce sera peut-être la dernière compétition, n'est-ce pas, Antoine? Mais c'est vrai qu'Olivier Giroud, on l'a encore vu très important avec le Milan AC. Donc, pourquoi? Il n'y a pas qu'une question d'âge, je pense. Xavier Barré, il vient de publier son livre, le guide, hein, n'est-ce pas, de l'Euro. Il est sorti hier tout chaud des éditions Solar de notre ami Jean-Philippe Bouchard. Vous n'aviez pas mis N'Golo Kanté sur la liste? En fait, on a un peu changé la formule avec les éditions Solar et donc on n'a plus les listes maintenant. Comme ça, bon. On a fait des chapitres, c'est des bourré d'anecdotes. C'est le guide insolite et érudit, beaucoup d'anecdotes, des citations. On revoit l'histoire de la compétition de 1960 à 2021, mais à travers différents chapitres. Il y a beaucoup de choses que je pense, même les grands connaisseurs de football peuvent apprendre. Antoine, cette équipe de France, vous allez la suivre pour nous? Absolument. Pendant l'Euro. Il y aura deux matchs amicaux avant. Et Luxembourg ensuite, à Metz, voilà. Parce que le Stade de France est fermé pour les JO. Les JO, et puis ensuite le Canada à Bordeaux. Et donc, l'Euro commencera le 14 juin. Alors, on aura beaucoup le temps de parler des favoris, des équipes de l'Angleterre, je vous promets, Rémi, de l'Allemagne, de tous ceux qui sont sur la ligne de départ. Et le 17 juin, ça sera le premier match de l'équipe de France. Mais nous, on va continuer, on va vers l'Italie. Ce refrain de la Juve qui rentre dans les têtes, qui est repris souvent dans le stade par les supporters. Alors, une 15e Coupe d'Italie, Coppa Italia, pour la Juve. Les Bianconeri ont remporté cette Coupe au cours de la semaine dans le stade de Rome, 1-0 face à l'Atalanta, qui était pourtant favorite de l'épreuve, de la finale, pour s'être qualifiée dans une finale européenne, pour avoir éliminé l'Olympique de Marseille, l'ADA. Surtout parce que cela fait 3 ans maintenant, 3 saisons, que la Juventus ne gagnait plus aucun trophée. Alors, sans parler du championnat, où elle est, au cours du week-end, tombée du podium. Elle est 4e et elle a aligné seulement 2 victoires dans les 15 dernières rencontres. Une Coppa qui ne peut que faire du bien pour rebondir la saison prochaine, Xavier Barré. Oui, parce que... Alors, on va en parler. Je l'ai mis un petit peu à part, mais Allegri, de toute façon, il était donné partant. Il vient d'être démis de ses fonctions. On va licencier, on va expliquer pourquoi. Quand vous avez une équipe avec quand même en attaque Chiesa, Vlahovic, avec au milieu de terrain Rabiot... Vlahovic qui a marqué le but vainqueur. C'est quand même... La Juve, c'est une équipe qu'on attend toujours. Il faut rappeler que cette saison... Mais ils ne sont plus champions depuis 2020. Oui, et cette saison, ils étaient suspendus de Coupe d'Europe. Il faut rappeler que suite à leur participation à la création de la Super League, ils ont été évincés par l'UEFA. Et donc, cette saison, ils n'étaient même pas européens. Donc, ils pouvaient se concentrer sur les compétitions italiennes. En championnat, ça n'a pas suffi. Ils sauvent la face avec cette Coupe d'Italie. C'est un moindre mal pour un club très prestigieux. Qu'est-ce qui leur manque à cette Juventus, Benjamin? Parce que c'est vrai, là, on voit la photo derrière vous, pour ceux qui nous regardent, des vainqueurs. On voit quand même un certain nombre de joueurs fameux, connus. On reconnaît Rabiot, n'est-ce pas, Antoine Grenier, au milieu des vainqueurs, l'international français. Qu'est-ce qui leur manque? Du talent? Un patron? Non, surtout pas de talent. La stabilité dans le club? C'est ce que j'ai voulu dire. Je pense que ce n'est pas une question de talent, mais c'est surtout une forme de stabilité. Parce que ça fait 3 ans, ils n'ont rien gagné. Ils ont fait le choix d'aller chercher Allegri parce qu'ils avaient besoin de renouer avec les victoires. On sait ce qui s'est passé l'année dernière, les 15 points retirés, pas retirés.
ils terminent septième, ils ne sont pas qualifiés. Xavier le disait tout à l'heure, l'ascension avec l'UEFA, ils font le choix de ne pas faire appel parce qu'ils voulaient vraiment se concentrer sur le championnat. Et là, on voit que cette année, malgré le fait qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer, bah, comme toujours, ça cale à un moment donné. Quatrième championnat. Ils sont quatrième et ils ne sont même pas sûrs d'être qualifiés pour la Champions League la saison prochaine. Et là, ils perdent quand même l'entraîneur à, la fin de, à deux journées de la fin du championnat. Donc, on s'interroge. On se demande si c'est le rebond. Je me demande, je me dis que c'est tôt quand même de l'avoir laissé partir. Il aurait dû laisser l'entraîneur aller jusqu'au bout, mais voilà, cette Juve. Ah oui, mais là, on va venir on va, aux circonstances. Rémi, cette Juventus, vous la voyez rebondir enfin ? Rebondir, ce serait très difficile. Et surtout, je suis surpris que Xavier Barré souffre subitement d'Alzheimer ou d'amnésie. Oui, il est devenu amnésique. Vous vous rappelez quand même que c'est Xavier Barré qui nous disait que Cristiano Ronaldo est parti détruire la Juve et qu'il fallait qu'il parte pour que la Juve rebondisse. Sauf qu'avec Cristiano Ronaldo, cette Juve-là a remporté deux Scudetto et bien évidemment... Vous voulez qu'il le rappelle d'Arabie Saoudite, Rémi ? J'ai fini mon raisonnement. Deux super coupes d'Italie et aussi une coupe comme celle-ci. Mais Xavier Barré... Ils n'ont rien fait en Coupe d'Europe. Mais attendez, mais on a vu cette Juve aller en Coupe d'Europe, aller en huitième, aller même en quart. Mais Xavier Barré était ici pour bon, dire il faut laisser Cristiano Ronaldo et comme ça la Juve va rebondir. Aujourd'hui, il dit oh vraiment, ceci et cela. Cristiano Ronaldo est parti. Il n'y a plus eu de trophée et voici une coupe du village à l'instar du Bassa qui prend son sens. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'en réalité, la Juve, comme je te le disais, c'est quelque chose qui maintenant reste comme pas. Une coquille presque vide, c'est un nom. Et il y a un proverbe africain qui dit « Le temps construit les forteresses et c'est le temps qui les détruit. » Merci, Rémi. Il faut continuer. La Juve, Antoine, justement. La Juve, non, mais il faut rappeler une chose, Annie, quand même, c'est que la Juve, dans les, au début des années 2000, avait même été reléguée en deuxième division pour des raisons de pas très glorieuse. Pas très comme glorieuse, souvent, effectivement. Comme souvent avec la Juve. Donc, c'est déjà arrivé. Et à chaque fois, la Juve est remontée parce que c'est un club hyper populaire, non seulement à Turin, mais dans toute l'Italie. Donc, moi, je ne suis pas supporter des Bianconeri. C'est le club qu'on aime ne pas aimer. Mais voilà, c'est un club aussi qui a beaucoup d'ennemis parce qu'il ne laisse pas indifférent. Mais de là à dire que c'est la première fois qu'ils disparaissent, non, ce n'est pas vrai. Ils ont eu des. Ah, mais on n'a pas dit que c'était la première. C'est un peu ce que dit Rémi Gono quand même. Ah, mais c'est ça que tu dis. Tu m'as dit que Cristiano Ronaldo, avec ses 101 buts, ne valait pas la peine. Et voilà, tu as non, ils avaient embauché Cristiano Ronaldo pour aller pour gagner la Ligue c'est des Champions et ils ont rien fait en Ligue des Champions. Antoine, ce qui s'est passé avec Allegri, alors certes, il vient d'être licencié par le club, mais il y a mis du sien quand même là sur le dernier match. Ah oui, beaucoup. On l'a vu. C'est rare beaucoup. De voir un entraîneur comme ça. On avait vu Xavi contre le Paris Saint-Germain taper dans des bâches de protection. Là, on était encore à un stade supplémentaire quand on a vu Allegri arracher littéralement sa veste, sa cravate, tout jeter en l'air. Et déboutonner sa chemise, on a cru qu'il allait... C'était Hulk, en fait. On attendait qu'il devienne plus vert et qu'il rentre sur le terrain pour tout écraser. La fin de ce deuxième passage de Massimiliano Allegri, hein, il faut le rappeler, parce qu'il était déjà là entre 2014 et 2019, il est un petit peu symptomatique de ce qui est en train de devenir la Juve au fur et à mesure des temps, c'est-à-dire une équipe qui rentre dans le rang parce qu'elle est moins attractive, parce qu'il y a des joueurs... À l'époque où il fait son premier passage, il y a encore Buffon, il y a encore... Alors, qui est en fin de carrière, il y a Cristiano Ronaldo, il y a des joueurs qui n'avaient pas cette fois-ci. Ils ont un effectif. C'est un effectif. Il y a moins de stars internationales. La Juve est beaucoup moins attractive aux yeux des joueurs. Tu prends Vlahovic et Chiesa, t'as quand même une belle attaque. Oui, mais... Frédéric. Sur le fil Facebook, je parie que la Juve jouera les premiers rôles dès la saison prochaine. Faites, s'il vous plaît, une capture d'écran. On le ressortira. Bon, on le ressortira. En tout cas, ironie du sort, cette Juventus ira jouer la 37e journée, il leur en reste deux aux Italiens. Eh bien, à Bologne, entraîné par Thiago Motta, la sensation de cette saison et qui vient de dépasser la Juventus au classement, ils sont troisième et justement, on pressent que Thiago Motta pourrait être le futur entraîneur de cette Juventus. Et c'est incroyable parce que Massimiliano Allegri venait de gagner son cinquième trophée. Il est l'entraîneur qui a gagné le plus de fois la Coupe d'Italie. Donc, en arrachant tout mais et sans se transformer. Ça compte pas, ça a aucune valeur. Bon, c'est pas grave. Pour nous, ça compte. Et on continuera à suivre la Serie A et
un salut à Matteo Cioffi. On continue et on va dire trois mots sur l'Angleterre. No certainty. There is always jeopardy. It is always on the edge. It is always football time. This is the league we want to watch. Alors, dernière journée de championnat en Angleterre, hein, tout le monde termine à son rythme, ça sera dimanche. Et même si le championnat vend, vous l'avez entendu dans la petite promo, encore du suspense, encore de la tension, nous, on s'est résignés au Café des Sports. On croit que le vainqueur est déjà en poste. Et oui, la logique voudrait que ce soit les Citizens qui, au cours de la semaine, avec leur match en retard, c'était à Tottenham, eh bien, ils ont gagné. Et du coup, ils ont gagné le droit d'être premier actuellement. Ils partent donc avec un certain handicap, comme on dit dans d'autres sports, un handicap favorable. Ils sont premiers, ils ont 2 points d'avance sur les Gunners. Allez, je vais d'abord poser la question à Benjamin et vous l'aurez après, Xavier. Est-ce que les Gunners sont vraiment hors course? Ils ont 2 points. Alors eux, ils vont recevoir Everton dans leur stade et les joueurs de Manchester City reçoit West Ham. Ouais. Pour moi, le championnat... Qu'est-ce que vous nous dites? Non, mais pour moi, le championnat, il est plié. Non. Il est plié parce qu'avec cette équipe des City, on le disait depuis le début de la saison, il ne fallait surtout pas faire un faux pas. Moi, je pense que le faux pas d'Arsenal, c'est d'avoir laissé des points contre Aston Villa. Ils ont permis à City c'est pas n'importe de qui repasser cette saison, devant. Aston Villa. Manchester oui, City aussi a perdu contre Aston Villa. Oui, mais pour dire que City, déjà, c'est une équipe qui est bâtie de manière à ce que... Vous avez regardé hein, dans le passé... À chaque fois que le Money Time arrive, cette équipe, elle est prête. Elle est encore plus prête que les autres. Même Haaland est prêt. Donc, pour moi, franchement, c'est fini. Ils lâcheront pas le championnat. C'est terminé. Bah oui. Je ne vois pas comment ils vont faire là, pour ne pas être champion. Rémi, d'ailleurs, Pep Guardiola s'est déjà roulé par terre de joie. Alors là, aujourd'hui, hein, dans la dernière conférence de presse, il a dit « Il reste un match difficile à jouer. Évidemment, il faut qu'il gagne. » Non, ce n'est pas un match difficile à jouer parce que oui. Oh, West Ham, il faut dire c'est que jamais quand joué on... d'avance. Non, c'est toujours gagné d'avance pour City. C'est-à-dire que les 8 derniers matchs entre West Ham et City, c'est les victoires des City, même pas de nul. Et au-delà de ça, d'ailleurs, je crois qu'en novembre dernier, City est parti battre West Ham à domicile encore par 3 buts à 1. Donc sans vous oublier êtes comme que nous, Rémi. West Ham, d'ailleurs, vient de prendre 5 devant Crystal Palace, 5 devant... je crois Chelsea. 5 buts. Oui, 5 buts. Donc, et quand vous essayez de regarder l'équipe de City aujourd'hui, c'est-à-dire que les 5 derniers matchs, c'est 17 buts marqués contre un seul encaissé. Donc, pour moi, il n'y a pas match. C'est parce que juste Son a raté le match. Parce que c'est lui qui... Et moi, qui aurait avec, pu, qui moi, aurait pu avec mon demi-pièce ce jour-là, mais j'étais en train de crier « Ouais, Moukanjo, ouais, Moukanjo, 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 en retraite, il sortait des tribunes, il marquait. Mais Son a dit... J'étais devant la télé aussi. Moi, je ne marque pas. Il était en Afrique, on allait dire que non, le gars là, il a vendu le match. S'il était en Afrique, on allait dire le gars, il a vendu. Il y a eu le match nul face à Arsenal fin mars et depuis c'est 8 victoires et quand ils sont lancés comme ça en fin de saison c'est un rouleau compresseur personne ne peut les arrêter. C'est aussi l'appât du trophée d'un record quatrième titre consécutif c'est jamais fait dans l'histoire du championnat d'Angleterre. Alors l'année dernière ils ont fait le triplé, ça n'avait jamais été fait, maintenant ils font le quatrième titre consécutif. Est-ce que vous pensez que les Gunners pourraient, eux non plus, ne doivent pas perdre, au moins pour gagner une chance? Il faut qu'ils battent Everton, qui est en bas de classement. Mais faut être Everton honnête. Se bat pour rester oui, en plus. Avec un handicap de points aussi, pour des raisons extrasportives. Mais pour Arsenal, il faut être clair, même s'ils gagnent... Ils ont encore raté... Ils ont pas leur destin en main, les Gunners. Bon, ils ont raté, je pense... Alors, Benjamin Moukanjo évoquait ce match contre Aston Villa, mais... Manchester City aussi a perdu contre Aston Villa qui a fait une saison magnifique et qui va finir en Ligue des Champions sous la coupe d'Unai Emery. C'est surtout l'opposition directe et en particulier le match à l'Etihad Stadium où Arsenal était très bien bon sûr. Et où Arsenal aurait pu gagner. Il leur a manqué un petit peu d'audace et du coup ce match nul permet à Manchester City finalement de rester invaincu. Depuis le 6 décembre, ils n'ont plus perdu, toutes compétitions confondues, parce qu'ils sont éliminés par le Real Madrid au tir au but, ils ne perdent pas. Et donc
Du coup, enfin, c'est le Bayern fait mieux qu'en Europe. Oui, le Bayern Leverkusen, bien mais sûr. Ça, Arsenal, c'est comme une série télévisée. À chaque fin de saison, les supporters attendent la suivante. Quoi. Oui, non, mais c'est un peu. Mais c'est bien, rude, ça fait déjà trois ans qu'ils sont dans une vraie continuité. Ils sont deuxième du championnat encore. Et cette année, ils jouent aussi la Ligue des Champions. On se posait la question comment ils arriveraient à mener les deux de front. Ils vont en quart de finale de la Ligue des Champions. Ils ont fait une belle saison, même s'ils se trompent. Antoine Grenier. Après, City a de toute façon cette qualité de rouleau compresseur ou quoi qu'il arrive, on la voit avancer cette équipe, même quand on dit qu'Erling Haaland, qui est à 27 buts quand même, fait une moins bonne saison, Phil Foden à 17 buts, bref, elle était armée de toute façon pour être championne, elle aurait même dû aller encore plus loin en Ligue des Champions, elle ne l'a pas fait, donc elle va aller chercher ce titre qui lui fera un petit peu de bien. Puis du côté de l'Arsenal, ça va commencer à ressembler à une malédiction, parce qu'on se souvient que la saison dernière, il y a deux défaites de suite contre Brighton et Nottingham, qui font que les Gunners s'effondrent et laissent Manchester City leur passer devant. Là, Benjamin parlait de la défaite à Aston Villa. Arsenal va commencer à se poser des questions. Est-ce qu'il leur faut pas le préparateur mental? Pas celui du PSG, un autre, mais celui de Manchester City. Ouais, non, mais il faudrait un transfert à prix d'or, là. Je veux dire que quand vous voyez la saison d'Arsenal, loin de là, c'est un succès total. Bien sûr. À part Kai Havertz qui prenne et d'ailleurs qui devient maintenant avançant. Mais c'est frustrant, Rémi, sans doute. C'est frustrant. Mais ce qui est frustrant, c'est les énormes moyens financiers dont dispose Guardiola. S'il partait à Arsenal, il ne terminerait pas quatrième. Hein. Parce que c'est ce qu'il faut voir. Pep Guardiola prend des équipes qui sont richissimes, qui prennent aussi Everton. Il construit des équipes. Il construit des équipes. Il dépense bien. Arsenal, par rapport à des joueurs moyens qui ont évolué, parce que je prenais le cas de Kai Havertz, que je n'imaginais même pas qu'il pouvait marquer des buts, parce que quand on voit d'où il vient, quand on voit par exemple des gens qui étaient des remplaçants, Odegaard, qui n'avaient pas d'avenir au Real, mais on voit ce que ce garçon produit, Arteta, moi j'ai dit, il est plus imposant, il est plus percutant, et je crois qu'il a encore beaucoup plus d'évolution que Pep Guardiola, qui cherche juste à avoir des méga Rémi. C'était l'adjoint de Guardiola, Arteta. Mais donc Rémi, il utilise la même méthode avec un vrai succès. Mais donc l'année prochaine, vous serez supporter d'Arsenal? Même cette année, j'étais supporter d'Arsenal. Vous voyez, quel opportuniste alors! Il est prêt à tout! Il vole au secours de la victoire en permanence! Aucune conviction, Rémi Ngono! Je disais une seule chose, il fallait que Arsenal change de manager parce que Arsène Wenger est devenu Arsène Villa. Est-ce qu'il y a encore des commentaires, Frédéric? Des pro-gunners. Sans le Real de Madrid, City, ce serait trois Ligues des Champions, mais le Real est là. Effectivement. Allez, on va terminer avec les cartons, bien sûr, et avec les vôtres. On commence sur les cartons, bien sûr. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là. Carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Ce sont donc les cartons, les vôtres, que vous nous envoyez chaque semaine. Et ils sont aujourd'hui sélectionnés par Sarah Loubacouche. Salut le Café des Sports, c'est un carton vert que je donne conjointement à deux grands messieurs du football moderne. Carlo Ancelotti, avec tous les pépins que connaît le Real Madrid, vient de gagner la Liga et il est en phase de remporter la Ligue des Champions pour la 15e des Merengues. De son côté, Pep Guardiola a su monter par pièce un effectif XXL qui lui a permis de remporter peut-être la 4e fois consécutivement la Prime League, le championnat le plus relevé du monde, dit-on. Chapeau à ces deux messieurs. Oumar Barou, depuis le Sénégal. Bonne émission à tous. Salut Radio Foot International, Traoré Aboubakar depuis les États-Unis. Je donne un carton vert, un carton très très vert à Arda Güler, qui malgré n'a pas le temps de jouer au Real Madrid, mais à chaque fois qu'il a l'occasion, il est performant. Carton vert à Arda Güler. Thank you. C'est Philon Baye et Amsikro. Mon carton, il est rouge. Rouge adressé à Luis Enrique pour sa gestion du groupe. Le dernier match du Kylian Navas au PAC, il décide de le laisser sur le banc. Et il nous explique qu'il ne savait pas. Il n'y a pas d'excuse pour ce que Navas représente. Merci.
Bonjour, le café des sports, c'est Gourma Mondi Binta depuis la Guinée-Conakry. Je donne un carton vert à Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, qui est en train de faire du bon boulot pour nous, les supporters de la Maison Blanche. De passage, je dis un grand big up à Rémi Ngono. Merci, ciao. Je suis Balthazar de Pécalémie, dans la province de Tanganyika, en RDC. J'attribue les cartons verts à l'entraîneur Emery Unai pour les travaux abattis. Il a aussi quand même fait un travail remarquable de faire monter les clubs en Ligue des Champions. Au Café du Sport, moi c'est Plamedi Kipambudi depuis la ville de Kinshasa. Mon carton aujourd'hui, le vert, il s'adresse bien à Firmin Lopez. Ce gars qui ne cesse de nous prouver par ses prestations pharaoniques. Hier, il a planté un doublé face à l'Almeria. Rémi Ngono, tu retrouveras le grand Barça la saison prochaine. On va non seulement battre le Real de Madrid, on va l'humilier et rapporter le titre. Bonjour à toute l'équipe du Café d'Espoir, moi c'est David, je vous suis depuis Paris. J'ai un carton rouge pour mon club de cœur, le Barça, qui nous dit tantôt Xavi part, tantôt Xavi reste, tantôt Xavi part. Je pense que ce n'est pas sérieux pour un grand club comme le Barça qui ambitionne de faire tomber le Real de Rémi Ngono la saison prochaine. Bonjour RFI, bonjour Café d'Espoir et Ebenezer Idou depuis Cotonou, Bénin. Je donne un carton vert à Manchester City de Pep Guardiola. Carton vert à Guardiola qui est en passe de créer un exploit monumental. Remporter le championnat pour la 4e fois consécutive. Quelle hégémonie! Bonsoir Radio Foot International, c'est Diallo Amadouri depuis Conakry. Mon carton, il est vert à Aurélien Tchouaméni qui n'a perdu aucun match cette saison avec le Real Madrid. C'est 31 titularisations, 0 défaite cette saison. Bravo à lui et bravo à toute l'équipe. Très bonne émission à vous. Bonsoir Radio Foot International, bonsoir Annie. Mon nom c'est Boubacar depuis Cameroun. Mon carton cette semaine il est vert. C'est l'adresse à Kylian Mbappé pour lui rendre hommage parce qu'il a annoncé son départ, même si on savait depuis pas mal de temps qu'il va partir. Mais franchement, moi en tant que Parisien, je suis tellement fier de ce qu'il a accompli au club. Et c'est pas parce qu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions qu'il n'a rien fait pour le club. Bonjour Radio Foot International, c'est Boubacar Diallo depuis l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la capitale guinéenne. Donc, pour ce Café de Sport, je vous donne un carton vert d'encouragement et de félicitations pour cette saison encore remplie de bonheur et d'émotions que nous avons vécues ensemble. C'est bientôt vos grandes vacances et vraiment on a été servi. Donc, la main sur le cœur, on vous dit merci. Bon Café de Sport et bon week-end. Ciao. C'est gentil de compatir, mais oui. Vous inquiétez pas, on est là jusqu'à la fin de l'Euro, hein, ouais. Antoine. Et des Jeux Olympiques derrière. Oui, en plus. On enchaîne. Sacré été. Donc, sacré été, mais le Radio Foot sera là jusqu'au 15 juillet, ça je peux vous l'assurer. En tout cas, Rémi, vous avez remarqué, hein, il y en a qui aiment et le Real et Pep Guardiola. Ouais. Donc, bon, ça fait beaucoup. Non, mais c'est terrible. Bon, et puis j'ai bien aimé parce qu'il y a le Real de Rémi, c'est même plus le Real d'Ancelotti ou de Kroos ou de Modric, je sais pas, ou de Florentino Pérez. Mais je pense que Rémi, sauf que Xavier ne veut plus qu'on dise que le Barça de Xavier. je pense que Rémi, s'il est entraîneur du Real, il gagnera même la Ligue des Champions avec lui. Bon, il faut qu'il passe ses diplômes comme Abibé. Allez les amis, les cartons, c'est l'heure de... Tiens, on lui mettra pas de carton, mais il faudra quand même, faudrait quand même dire adieu. On va lui mettre un carton jaune et bleu et blanc. C'est à Jean-Louis Gasset qui, alors juste avant l'émission, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps, mais on en parlera la semaine prochaine. Il a annoncé qu'il dirigerait son dernier match avec l'OM et ça sera au Havre pour la 34e et dernière journée du championnat de France. Et les gars, ça serait bien de lui offrir une victoire quand même après ce que vous avez fait à Reims. Benjamin. Votre carton, de quelle couleur ? Mon carton, il est vert. Il est vert pour le Stade Brestois. On se rappelle encore de cette équipe la saison dernière qui était dans les bas-fonds du classement, qui allait chercher Eric Roy. La direction lui a fait confiance. Il a maintenu le club l'année dernière. Et cette année, ils sont qualifiés pour jouer au moins le tour préliminaire de la Champions League. Et je voulais rendre vraiment hommage à ce club parce que... Et j'espère, Annie, que le stade, il sera homologué parce que ses supporters... Ce club, ce stade, ça va être dur, je sais, mais parce que je veux que qu'ils aient la possibilité d'aller voir ce match, cette Ligue des Champions qui va arriver chez eux. J'espère que ça pourra se jouer là-bas, même si, encore une fois de plus, on sait que c'est dur. En tout cas, bravo au Stade Brestois. Ils iront à Guingamp, c'est une heure de route. Eric Roy, choisi par ses pairs pour être le meilleur entraîneur, pour avoir été le meilleur entraîneur de l'année en championnat de France. Rémi Ngono, du vert. Carton tout, vert. Tout le monde a du vert aujourd'hui. Au patron de la Maison Blanche, Florentino Pérez. Ah. Qu'est-ce que monsieur ça m'aurait étonné. Ah oui, mais attendez, en 2021, le gars propose... au PSG 200 millions pour Mbappé.
Le PSG refuse, mais qu'est-ce que le gars a fait? Il remporte la Ligue des Champions en 2022, sans pour autant oublier qu'entre-temps, il remporte deux Ligas. Et maintenant, il est en train de remporter aussi une autre Ligue des Champions qui est déjà presque dans le frais. C'est pas encore fait, hein, Rémi. Oui, mais pour l'instant, c'est au frais. Mais le gars c'est pour ça qu'on lui mettait un carton. Mais entre-temps, le gars, il ramène Mbappé gratuitement. C'est-à-dire que pour c'est sûr déjà. C'est pas encore officiel, Rémi. Je vous dis, c'est il a bien même signé pour 5 ans. Il a abandonné même le montant. Le salaire, c'est 20 millions. Je peux vous dire, il a bien signé. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà Mbappé qui revient. Donc, comme justement, vous voyez comment est-ce que nous, on fonctionne avec justement notre grand patron qui connaît voir et qui sait que je m'en vais chercher là et ils viennent récolter à la maison parce qu'il y a un proverbe africain qui dit le coq chante dans la poule chante dans la cour mais vient pondre les œufs dans sa vraie maison. Ah oui, ça c'est pas le coq qui pond. Xavier Barré. Oui, eh bien on a parlé tout à l'heure de Giroud mais il va rejoindre le Los Angeles Football Club après l'Euro et il y retrouvera Hugo Lloris et Denis Bouanga qui se sont illustrés cette semaine en MLS avec Hugo Lloris a arrêté un pénalty. Et en deuxième mi-temps, Denis Bouanga a marqué deux buts, ce qui permet effectivement au Los Angeles Football Club de revenir à la deuxième place ex aequo du classement de la MLS. Derrière qui? Derrière, non, devant le Galaxy et derrière Real Salt Lake City. C'est pas l'Inter Miami ? Non, l'Inter Miami est dans l'autre conférence, parce qu'il y a deux conférences. Okay. Il y a deux conférences. L'Inter Miami est en tête de l'autre groupe. Avec un certain Lionel Messi. Oui, bien sûr. Et donc, bravo à Lloris et à Bouanga. Il n'a pas rappelé Lloris pour autant. Hein. Non, mais puisqu'il arrête des pénaltys maintenant, ça pourrait être une bonne raison. Il n'y a quand même un laisse où on peut arrêter un pénalty. Là, Deschamps a jusqu'au 7 juin pour modifier sa liste. Antoine Grenier, alors, quel est votre carton ? Eh ben, moi, c'est un carton vert pour souhaiter bon vent à l'ancien international camerounais Joël Matip. Liverpool a annoncé aujourd'hui son départ à la fin de la saison, tout comme celui de Thiago Alcantara. Matip, c'est 8 ans, 8 saisons à Liverpool. Il laissera le souvenir de sa passe décisive en finale de la Ligue des Champions en 2019 contre Tottenham, but de Divock Origi et Ligue des Champions pour les Reds. Voilà, un magnifique palmarès pour Joël Matip qui s'en va. Un petit regret quand même, que son parcours a été gâché par beaucoup de blessures. Il s'est fait des croisés. Il en revient, là, je crois, des croisés. Malheureusement. Frédéric Tuto. C'est un carton vert. Vert comme les couleurs du studio, pour ceux qui ont la télévision. Vert et jaune, comme les couleurs du drapeau du Brésil. La FIFA a désigné ce vendredi le pays hôte de la Coupe du Monde féminine 2027. La prochaine, ce sera au Brésil. Et on utilisera les 10 stades qui avaient été construits, rénovés pour la Coupe du Monde de 2014, Coupe du Monde messieurs, mais ça va être la fête au Brésil en 2027. Alors Marta, la star brésilienne, elle est déjà sur la fin, c'est sa dernière année, là, elle sera pas sur le terrain, mais peut-être sûrement grande ambassadrice de cette Coupe du Monde. Exactement, et 32 équipes de filles vont déferler sur le Brésil, ça sera un spectacle. Le carton de Radio Foot International, il est un petit peu de votre côté Antoine, c'est à Liverpool et c'est les adieux très classe, on va dire, d'un certain Jürgen Klopp qui va diriger son dernier match à Anfield au cours du week-end. Ça sera contre Wolverhampton. On sait qu'ils sont troisièmes, hein, les Reds. Et il a voulu poser une photo que vous pouvez voir derrière moi pour ceux qui nous regardent avec tout le personnel du club de Liverpool où il vient de passer 9 saisons. On le voit en photo, tout sourire au milieu de, je sais pas, il y a au moins 200 personnes autour de lui, dans une des tribunes, bien sûr, de ce stade ô combien symbolique. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit ? Dankeschön, monsieur Jürgen Klopp. Et c'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs. On était beaucoup aujourd'hui, mais il y avait beaucoup d'actualités. Il y avait beaucoup de choses à se dire. Merci à tous. Bon week-end. Merci, bon Frédéric. Bon. À tous nos auditeurs et internautes. Merci à tous et à la semaine prochaine.